concepts et des principes. Nous dialoguons tous, c'est commun. Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans savoir qu'il faisait de la prose. Avancez. Alors, on dit que dialogue, le mot dialogue vient du grec dia, qui signifie à travers, par, entre, et logos qui signifie parole, discours. Donc il y a beaucoup de déclinaisons que nous maîtrisons déjà. Peut-être que ce n'est pas la peine d'écrire parce qu'il est bien possible qu'on puisse vous donner la présentation. Donc on pense que le dialogue est un échange de paroles, un entretien entre deux ou plusieurs personnes. Plus clairement, et là, est-ce qu'on peut avoir quelqu'un pour nous lire la définition en rouge? Plus clairement, le dialogue est une conversation entre deux ou plusieurs personnes menée avec la volonté d'aboutir à une solution acceptable par les parties en présence. Il s'agit aussi d'un contexte d'échange de points de vue sur un différent afin de lui trouver un aboutissement heureux ou mutuellement bénéfique pour les parties. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est important dans cette définition? C'est deux. C'est une discussion entre deux. Au moins. Donc, c'est un échange. Ou, maintenant, plusieurs parties. Quand il y a plusieurs parties, il faut aussi comprendre que ça doit revenir à deux. Deux, parce que les gens ont des positions, c'est difficile d'être dans un dialogue où il y a plusieurs points de vue et des points de vue qui ne convergent pas. C'est difficile d'avoir un dialogue dans ce contexte. Mais si vous parvenez à avoir deux positions, il est possible d'aboutir, en tout cas, à harmoniser les positions pour, en tout cas, trouver une solution qui soit mutuellement acceptable. C'est-à-dire, vous ne devez pas rechercher à avoir le gain pour vous, et l'autre ne doit pas non plus faire la même chose. Donc, il faut chercher ce qui est mutuellement possible. Continuez. Alors, comment construire un dialogue? Il faut se préoccuper quel est le fond qu'on vise, quelle est la forme, quelles sont les valeurs, quelles sont les convictions, quelles sont les attitudes, les besoins, les intérêts. Et c'est extrêmement important quand on parle des besoins et des intérêts. Quelqu'un qui organise un dialogue, il doit aussi se préoccuper des besoins. Quelquefois, tout simplement parce que le dialogue, on peut y arriver avec l'idée de mettre la barre à un certain niveau, ce qui correspond pas souvent aux besoins, avec l'idée que, bon, on peut, après les négociations, arriver à un autre niveau. Donc les besoins et les intérêts sont extrêmement importants. On a parlé de conviction. Il y a un livre que je ne retrouve pas, qui a été édité, je crois, par Caritas, et qui essayait de reprendre les attitudes des gens dans des structures de négociation, de dialogue, et qui trouvait un parallèle entre les individus et les animaux. Qui disait que quand vous êtes dans un contexte où les gens doivent dialoguer, vous devez comprendre chaque individu, connaître chaque individu
Et il y a un caractère animal qu'on peut mettre à chaque individu. Il y a, vous avez des éléphants. Les éléphants, c'est des points de vue figés qui bougent l'horizon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue possible. Ils vont bloquer. Il faut aussi le savoir. Il y a des singes qui partent d'un point à l'autre. Vous pensez que vous avez abouti, ils sautent sur un autre point, etc. Donc il y a une étude qui était très très intéressante, que je n'ai plus revue, mais qui donne le caractère animal à chaque individu, à chaque négociateur. Parce que aussi les gens, ils vont avec des stratégies différentes, et il faut connaître ces stratégies-là pour pouvoir déjouer et aller vers, en tout cas, ce qui est mutuellement bénéfique. Bon, le dialogue ne tourne pas sur des mots. Ce n'est pas tout simplement des mots. Le regard est important. La gestuelle est importante. L'intonation, les silences. Il faut exploiter tout. Tout est important. Entre ce qui est dit, ce qui devrait être dit, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on cache, ce qu'on ne cache pas, etc. Tout est important dans un dialogue. Donc il faut aussi, et surtout savoir lire les silences. Ce qu'on dit, on appelle en anglais body language. Le corps parle, le visage parle, et les mots aussi utilisés sont très importants. Vous savez, quand quelqu'un vient, bon, je n'aime pas donner cet exemple-là. Vous pouvez vous fâcher pour rien. Quand quelqu'un vient et vous dit, ah, où est ton père? Parle de ton père. Vous pouvez répondre sans problème. Mais quand il dit, où est le mari de ta mère? Ce qui peut suivre, c'est une bagarre. Et pourtant, les deux veulent dire la même chose. Ton père, le mari de ta mère, mais la façon de mettre les choses, ça peut créer des problèmes. Donc, tout cela, c'est aussi dans le discours. C'est des aspects, il faut tenir compte de ces aspects-là. Continuons. Le mari de la mère peut être mon père. Bon, même dans notre culture, c'est aussi ton père. C'est aussi ton père. Mais quand on le dit, ça choque. Alors, le dialogue est-il important? Oui. Il est source d'harmonie dans la vie en société. Il est profondément enraciné dans nos valeurs. Nous dialoguons tous. Et c'est en cela le dialogue est important, surtout dans un pays qui se réclame pays de dialogue. Je crois que Senghor en a chanté, etc. Nous reprenons toujours ce même discours, le Sénégal, pays de dialogue. Alors, on peut dialoguer de plusieurs façons. Dialoguer, quelqu'un dit, la conception philosophique, c'est penser à deux. Penser à deux. Alors, le dialogue, c'est aussi dans la polémique. Avec la polémique, on dialogue aussi. Le dialogue, c'est aussi une sorte de didactique, c'est un genre littéraire mettant en scène l'élève et son maître. Vous voyez les dialogues de Platon, hein? C'est l'élève et le maître, on met en scène, mais aussi c'est des leçons pour la société. Hein? Tout ça, c'est aussi des dialogues. Peut-être que le professeur Gibril Sand use beaucoup des dialogues de Platon pour donner sa lecture de la société sénégalaise. La dialectique des
deux interlocuteurs ayant des idées différentes et cherchant à se convaincre mutuellement par ce qu'on appelle la thèse, l'antithèse, la synthèse, bon, la vieille rhétorique. Hein, les gens utilisent cela. Vous ne dites pas la même chose, mais vous dites d'une certaine manière. Il y a certainement convergence si vous arrivez à harmoniser vos positions. Il y a maintenant le dialogue social, il est incontournable. Ceux qui sont dans le syndicat savent que le dialogue est indispensable. Vous avez certainement des requêtes à faire, vous les posez et vous devez savoir aussi comment user des stratégies de dialogue pour pouvoir, en tout cas, récolter, bien avoir des gains. Mais pour une société apaisée, vous avez besoin de discuter, de dialoguer. Alors, les contextes impliquant le dialogue, vous avez des formules qui sont particulières au dialogue. Vous avez ce qu'on appelle des approches non contraignantes. On peut dialoguer, mais par des personnes qui n'ont pas d'intérêt dans la discussion, dans la chose, et qui peuvent venir et vous permettre de dialoguer. C'est les conciliations. Les états, ce qu'on appelle aussi les missions de bons offices. C'est aussi des formes de dialogue. Vous avez une personnalité qui arrive et qui vous permet. Parce que la personne peut vous amener à dialoguer. Surtout quand il y a des situations. Vous avez les missions d'exploration. D'ailleurs, dans les élections, c'est aussi des formes, les missions d'observation électorale. Ce que vous devez faire au départ, avant même l'observation, c'est de faire une mission fact-finding. C'est-à-dire, vous allez dans le contexte, vous rencontrez les acteurs et vous faites une idée du niveau de violence, des accords qui sont noués, des alliances possibles, etc. Donc, il faut connaître le contexte pour pouvoir aussi dialoguer. C'est ça qui vous permet. Une fois la mission faite, vous pouvez maintenant dire, vous décelez les écarts et vous pouvez voir exactement qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. La médiation. Les États travaillent beaucoup sur la médiation. Parce que les États étant souverains, c'est par la persuasion qu'il faut amener l'autre à dialoguer. Aujourd'hui, nous ne le voyons pas, mais entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, le dialogue il est permanent avec les autorités de la CEDEAO. Vous avez d'abord un médiateur qui est désigné depuis très longtemps. C'est un travail souterrain que vous ne voyez pas, mais il se passe. Et ce que vous entendez, ce sont aussi des réactions à ce dialogue souterrain. Est-ce qu'il est en train d'aboutir, est-ce qu'il n'aboutit pas, etc. C'est aussi, on entend, on voit la surface, mais on ne voit pas le fond. Mais les gens sont en train de se parler. Ceux qui pensent que le Mali est là-bas, la CEDEAO est là-bas, ils se trompent. La CEDEAO donne de l'argent au Mali. Et Adrienne, qui était là hier, son bureau, elle donnait beaucoup de subventions aux États. Ça, elle a fait beaucoup de missions où elle envoie des 500 millions aux États pour pouvoir régler des problèmes. Il y a un soutien, même en nature, etc., aux États. Que les gens ne voient pas. Il y a les appuis
même quand un État a quelqu'un qui veut compétir dans les organisations internationales, il y a une solidarité qui se développe et cet appui-là est fait. Aujourd'hui, dans les sanctions, la CEDEAO peut dire « je n'appuie aucune candidature du Mali ». Il y a beaucoup de choses que la CEDEAO peut faire pour le Mali que les gens ne voient pas, mais qui sont aussi des situations où on peut te contraindre vraiment à être dans la ligne de l'organisation. Bon, vous avez maintenant des approches contraignantes au dialogue. Et celle-là, c'est l'arbitrage. C'est toutes ces situations-là où on fait appel à un juge, où il y a un document de référence, la loi, etc., où on amène les parties à se conformer à ce qui est dit. Donc ça, c'est certainement un dialogue, mais avec des contraintes qui requièrent aussi la mise en place d'un mécanisme pour dire la loi, c'est ça, et qui a autorité à dire la loi et à amener les gens à respecter la loi. Alors, aujourd'hui, dans le dialogue, je sais qu'il y a quelques années, peut-être il y a 10 ans, il y a eu un plaidoyer fort qui avait été fait au niveau de la CEDEAO pour que ce ne soit pas toujours les chefs d'État qu'on amène dans les missions de médiation. Parce qu'une mission de médiation, on a besoin aussi de plusieurs acteurs dans les missions de médiation. Et c'est dans ce contexte-là que les gens ont développé des niveaux qu'ils appellent Track 1, Track 2, Track 3. Et quand une mission a besoin des gens de Track 1, c'est les officiels. Des critiques peuvent être formulées et nous avons souvent formulé des critiques. Parce que, à l'époque, je me souviens, quand on a envoyé Blaise Compaoré aller parler à Dadis Camara. Blaise Compaoré qui a fait un coup d'État, il va parler à Dadis Camara qui a fait un coup d'État pour lui dire, quand même, pourquoi tu fais ce coup d'État-là? Bon, et il y a des incohérences de cette nature-là. Et malheureusement, c'est aussi quelque chose qui se passe. Vous voyez le médiateur, vous pouvez dire que ce médiateur-là, il ne peut rien réussir. J'ai même une idée sur l'importance de la langue dans les médiateurs. C'est important. J'ai vu la situation en Guinée. Vous avez des parties en conflit, des gens parlent français, vous amenez un anglophone pour faire de la médiation. Qui demande qu'est-ce qu'il a dit, etc. Bon. Parce que les gens vont parler les langues officielles. Si les gens parlaient aussi les langues locales, et tout ça est important. Tout ça est important. Un médiateur doit saisir tout. Tout était important. Les gens, quand ils sont fâchés, ils vont insulter dans la langue nationale. Et vous ne pouvez pas, vous médiateur, vous ne pouvez pas comprendre. Donc c'est important. Le diable est dans les détails. Et vous l'avez au niveau du Mali. Qui est le médiateur de la CEDEAO au Mali? C'est Koutak Kamassa. Un Nigérian. Le Nigeria est important, certes, mais quand les gens sont fâchés, ils parlent très rapidement, vous avez besoin de quelqu'un qui peut saisir très rapidement ce qui se passe. Bon, si vous prenez quelqu'un qui parle la langue, bon, c'est nettement mieux, mais souvent on commet aussi, et il faut aussi connaître le tempérament du médiateur. Goodluck Jonathan, on sait aussi qu'il a un tempérament. Donc on voit les difficultés. À côté, vous prenez, par exemple,
le Niger et la CEDEAO. La CEDEAO choisit Aboubacar Abou Salamé, qu'on a vu le Niger, mais qui a d'ailleurs une attitude très paternaliste extra. Aboubacar Abou Salamé peut réussir là où Goodluck ne peut pas réussir. Parce que Goodluck va engager la force. À l'époque, quand on a fait venir ici Obasanjo, mais c'était aussi dans ce... Mais Obasanjo aussi est très caractériel. Donc vous voyez un peu les difficultés quand vous amenez certaines personnalités dans les contextes. Alors, le niveau 2, c'est les experts. C'est les experts, c'est aussi des universitaires, des professionnels, des diplomates, les gens qui sont dans les ONG locales ou internationales. Mais vous avez maintenant la troisième track street, c'est aussi les gens qui sont dans la société civile. Des gens qui ont une expertise réelle dans le contexte qu'il faut les avoir. Alors, la médiation, souvent, ce n'est pas un individu, c'est une équipe. Et c'est pour cela que tous ceux-là qui sont en train aujourd'hui de travailler sur les conflits, mais c'est des postes qui sont aussi possibles. Parce que un médiateur peut avoir beaucoup de qualités, mais peut ne pas avoir la qualité de la bonne lecture des facteurs de conflit. Qu'est-ce qui est à l'origine? L'analyse du conflit. Parce qu'il faut analyser le conflit. Parce qu'il y a souvent ce qu'on appelle la paix négative. La paix négative, c'est quand vous avez un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, c'est on ne se bat plus, mais c'est une paix négative, c'est-à-dire pour peu, les gens peuvent retourner à la situation de guerre. Et quand les gens retournent à une situation de guerre après une situation de paix, il y a encore, les enjeux sont amplifiés. Donc, la récurrence du conflit, il faut faire très attention. Quand vous avez maintenant les gens qui acceptent de se parler, vous pouvez glisser et aller vers maintenant la vraie paix. Mais la paix négative est une paix qui est très instable et qui peut en tout cas dégénérer. Alors, la nature du dialogue. Le dialogue repose sur des aspects, sur ce qu'on appelle les valeurs fondamentales. Donc, pour aller dans un dialogue, il faut connaître les valeurs de la communauté, les valeurs des personnes qui sont impliquées. Vous avez des malinqués, il faut savoir exactement quels sont les piliers de cette culture malinquée, si vous voulez réussir votre dialogue. On y va. Et la courtoisie doit être de mise. Et le cadre d'esprit dialogique. C'est-à-dire, il faut créer les conditions. C'est-à-dire que quand vous sentez qu'il y a des antagonismes, mais il faut savoir aussi détourner l'attention pour faire en sorte que l'esprit de dialogue puisse revenir. Comprendre aussi la pratique dialogique. Que ne pas tout simplement se sentir écrasé par quelqu'un qui parle bien, qui vient, qui dit non, 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 nous on ne parlera plus, ça y est, c'est fini, etc. Bon, c'est comme vous allez à Sandaga, les commerçants qui sont là-bas, ils sont très forts. Je les observe souvent avec les étrangers. Ce que les étrangers ne comprennent pas, c'est que non, je ne veux pas de votre objet. Le vendeur, il est encouragé.
Parce que lui, non ne veut pas dire non. Vous pouvez dire non, je ne veux pas. Mais pour eux, c'est le début du dialogue. Je n'en veux pas, non, non, partez. C'est le début du dialogue. Ils vont continuer à vous harceler et finalement vous allez céder. Et quand ils regardent vos yeux là, ils savent que vous êtes intéressé. C'est de grands psychologues. Donc, tout cela, c'est aussi dans le cadre du. Alors, le dialogue est un processus par lequel des individus, des groupes et des organisations s'engagent à écouter et à échanger des expériences et des idées dans un cadre d'apprentissage commun. Alors, on dit que le dialogue suit trois phases. Il y a une phase préparatoire, donc il faut préparer le dialogue. Il y a une phase de mise en œuvre du dialogue. Il y a maintenant une phase où un comité de suivi, c'est la dernière phase. Vous avez tout fait, donc il faut aussi un comité de suivi. Si il faut paraffer, il y a des choses à faire, il y a des accords à faire signer, tout cela est important parce qu'il faut le faire. Il ne faut jamais remettre à un autre jour. Il faut que les accords, vous êtes d'accord, vous signez pour dire que vous êtes d'accord. Donc tout cela, c'est aussi cette... Et consolider la phase post-dialogue. Il faut prévoir une phase post-dialogue. On y va? Alors, l'importance du dialogue, allez-y. Le dialogue concerne les personnes, pas les choses. C'est aussi un principe qui est. Il faut parler des personnes, pas des choses. Le dialogue reconnaît l'humanité l'un de l'autre. C'est-à-dire, si vous êtes arrogant, vous pensez que l'autre il n'est rien du tout, votre dialogue va échouer. Il faut reconnaître aussi l'humanité de l'autre, le bon sens de l'autre. Vous n'êtes pas plus intelligent que l'autre. Donc, il faut beaucoup d'humilité. Le dialogue demande l'écoute, l'apprentissage et repose sur la patience et le savoir-faire de l'équipe composant la mission de médiation. Écoutez. Beaucoup de gens ne savent pas écouter. Et écouter, c'est une très grande qualité. Ce n'est pas celui qui parle le plus fort, le plus, qui a la vérité. Il y a beaucoup de gens qui se taisent, qui savent que, non, qui savent exactement de quoi cela retourne. Le dialogue est un processus inclusif. Il faut amener les gens. Le dialogue met l'accent sur une perspective à long terme. Il y a certainement des gains immédiats, mais il faut que les gens sachent aussi que c'est dans le long terme. Et même si je ne gagne pas aujourd'hui, je peux gagner demain. Il faut amener les gens à voir ça. Le dialogue doit être la première réponse à la crise, pas la dernière. Ça, c'est important. C'est-à-dire que, au Sénégal, nous avons le sentiment que nous avons toujours dialogué. Mais nous n'avons jamais réglé les problèmes. Si vous dialoguez, il faut dialoguer en vue du règlement d'une question. Le fichier, on a dit qu'on ne l'a jamais fait. Comment faire maintenant après? Toutes les rancœurs sont passées, comment maintenant faire le travail? Do the job. Et c'est notre point faible. C'est notre point faible. Une fois qu'on est tous d'accord, on est content, etc. Et plus tard, non, 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 les enjeux, il n'y en a plus. Alors, les principes à mettre en œuvre dans la planification, c'est les principes à prendre en compte lors de la planification d'un processus de dialogue. Appropriation par la communauté. C'est vrai que ça va être, nous ciblons des acteurs politiques,
Mais il faut comment faire pour que les communautés, qui sont aussi des acteurs dans ce projet, que ces communautés-là puissent aussi s'approprier le principe de dialogue. Basé sur des preuves, quelquefois il est important de voir des preuves que cela, c'est de cette manière-là que nous pouvons régler le problème. Basé sur les personnes, le dialogue est prédominé par des interactions et le partage d'expériences des parties prenantes pour se voir ce qu'il y a de mieux pour les personnes. Le dialogue, c'est aussi le principe d'où notre âme, c'est-à-dire il ne faut pas que ça débouche sur de la méchanceté. Il ne faut pas faire en sorte que les gens aient le sentiment qu'il y a quelque chose qui puisse nuire. La participation égale et significative des parties. Et les innovations, c'est aussi tout cela, ça fait partie aussi des... on va orienter vers l'action. Et l'espace sur la méthodologie et la facilitation du dialogue vise à créer un espace où tous ceux qui entrent en dialogue peuvent être sûrs de ne pas rencontrer de discrimination. Hier, on a parlé de discrimination, le problème de la Casamance, mais il faut qu'on trouve aussi, par le dialogue, comment régler ce problème-là. Je crois qu'on peut... Alors, j'ai fait quelques éléments pour faire la différence entre le débat et le dialogue. Dans le débat, vous cherchez à convaincre et vous cherchez à montrer que vous avez la meilleure approche, la meilleure politique. Vous êtes dans le débat. Les hommes et femmes de médias savent exactement. Ils mettent deux tendances politiques et ce que ces gens-là font, c'est ils vont dans le débat. Vous cherchez à convaincre. Le parlement tente de prouver que l'autre a tort. Tout cela, vous êtes dans le débat. Vous n'êtes pas dans le dialogue. Donc, il y a des formes pour le dialogue, alors que le dialogue demande l'écoute, demande la patience, etc. Bon, le débat, il est passionné, etc. Donc, même du point de vue de la prise de parole, on est coupé, tout cela, on est dans le débat, on n'est pas dans le dialogue. Bon, je pense que c'est la dernière partie. Dans le débat, on ne voit que le côté qui vous concerne, c'est ça que vous dites, vous affirmez et vous pensez que c'est la seule manière de voir, alors que dans le dialogue, il faut voir les deux. Il faut supposer quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, et avoir en tout cas un avis équilibré sur les choses. Il faut admettre que la pensée des autres peut s'améliorer par soi-même. C'est-à-dire que il y a, même si je pense que j'ai raison, en prenant en compte ce que les autres disent, je peux améliorer aussi ma propre vision des choses. Bon, voilà, je pense que c'est à peu près quelques éléments que je voulais partager avec vous sur un peu le dialogue. Alors, tout cela, ce sont certainement des éléments à prendre en compte. Le document va vous être envoyé. Et si vous pensez que vous devez l'utiliser, il est aussi comme outil, vous pouvez l'utiliser. C'est un schéma, vous pouvez utiliser exactement l'angle, l'utiliser sous l'angle qu'il vous plaira. Je dois dire que j'ai travaillé avec les femmes du Mali. J'ai fait la formation pendant 10 jours. Alors j'étais
convaincu que j'avais, non, ces femmes-là, il n'y a pas de problème. Elles vont entrer dans le dialogue politique, etc. Les femmes du Mali ont peur d'une personne, c'est le religieux. C'est le religieux. Et c'est à la fin qu'elles me disent, professeur, nous ne nous avons pas affronté nos religions. J'ai dit, mais créez des alliances. Vous avez un imam 2.0 qui est ouvert, qui vous écoute. Prenez-le et en fait un allié. Si vous arrivez à le convaincre dans ses prêches, il y a des points qu'il va intégrer et là, il va faire de plus en plus, les gens vont être ouverts. C'est que les gens ne veulent pas créer des alliances. Et c'est extrêmement important. Si vous voyez quelqu'un qui peut influencer le processus, qui n'est pas dans votre groupe, mais il faut savoir aller vers cette personne-là et l'utiliser. Ça peut tout simplement améliorer, en tout cas, les relations. Et elles ont une peur bleue du religieux. Et elles... Bon, au Sénégal, nous avons ça. Mais nous avons aussi celles qui savent aussi, de temps en temps, aller et peut-être avoir même des positions. Non, monsieur l'imam, je ne suis pas d'accord avec vous. On peut l'avoir ici. Mais vous ne pouvez pas l'avoir au Mali. C'est presque impossible. Mais c'est aussi des types de sociétés. La société traditionnelle, nous avons évolué un peu plus par rapport à... si vous voyez d'ailleurs quelle est la nature des problèmes du Mali, bon, mais cela aussi entre en ligne de compte parmi les facteurs. C'est la société la plus défavorable aux femmes. Et on dit que les inégalités, c'est des facteurs structurels de conflit. Donc, partout où vous avez ces inégalités-là, les conflits sont également là. Voilà. Donc, question, débat, si vous avez aussi des contributions, des développements à faire. Merci. Bon. Merci beaucoup pour nous avoir encore enseigné quelque chose. Dans votre exposition, vous avez parlé de la médiation. Et vous avez parlé de quelques contraintes de la médiation, c'est-à-dire le fait de prendre ou d'envoyer quelqu'un qui ne parle pas la langue. Tout à l'heure, vous avez aussi, avant ça, vous avez dit le mari de ta mère est ton père. Cela revient sur ce que vous avez tout à l'heure dit, la compréhension de la langue, surtout quand vous devrez parler à des gens. Par exemple, quand tu vas chez nous, en carrément, tu dis à une personne, Anasandaï, il pense déjà que vous lui avez insulté. Donc, le problème de langue peut être une barrière, une énorme barrière sur la question de la médiation. Parce que comme on aimerait le dire, toute transmission est une trahison. Donc, quelquefois même, il nous arrive, nous un jour, on fait un peu de la médiation, il nous arrive de voir quelqu'un qui parle. Vous savez, les langues au Sénégal, quelquefois, comme elles sont différentes, l'expression aussi devient différente. Quand par exemple, quelquefois tu vois le Diola parler, tu penses qu'il s'est énervé ou il s'est emporté, alors que tel n'est pas le cas. Donc, si tu es un médiateur qui ne parle pas la langue et qu'on doit te traduire, quand on te dira ce qu'il a dit, tu vas penser, c'est le contraire. Parce que tellement que peut-être il a utilisé la foule ou le langage qu'il utilise. Donc, c'est pour cela que je voudrais dire que si vous pouvez revenir un peu sur la médiation, ce serait bien. Parce que le dialogue, c'est vrai qu'on en parle beaucoup au Sénégal, mais je pense que aussi nous devrions revoir la manière de dialoguer dans ce pays. Parce qu'à beau dire, on parle de dialogue,
Mais quelquefois, dans la pratique du dialogue, ce n'est pas réellement ça. Il y a un manque de sincérité aussi. Merci beaucoup. Merci. Bon, peut-être rapidement, je peux dire que la médiation, c'est un dialogue un peu plus élaboré. Parce que la médiation, c'est souvent une équipe. C'est une équipe. Et il y a un travail important qui est fait avant même d'arriver à la situation de médiation. Vous avez le médiateur en chef qui doit avoir beaucoup de qualités. Beaucoup de qualités. Qui doit être accepté. Donc il y a beaucoup de choses. Donc il y a une maîtrise du contexte où la personne est aussi acceptée. C'est important. Mais vous avez aussi, puisque c'est une équipe, chacun a son rôle. Il y en a qui vont travailler avec le médiateur en chef pour lui faire comprendre les subtilités au niveau des coutumes, des traditions, etc. Comment il faut faire tout cela. Vous êtes, il y a des gens qui vont vous influencer, vous dire c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, la diplomatie préventive, c'est aussi l'autre aspect de la médiation. C'est des missions de haut niveau, avec des personnalités de haut niveau, avec aussi même les chefs religieux, etc. Mais dans nos communautés aussi, nous faisons cela, mais à un niveau moindre. Oui, c'est... Bon, j'ai vécu à Charleville-sur-Mer. Vous voyez, par exemple, les frais, etc., l'organisation même des époux, vous avez des gens qui sont... L'intérêt de la médiation communautaire, c'est parce que la justice, ça coûte cher. Si vous allez, il y a quelque chose qui vous arrive et vous pensez que vous n'irez pas vers, en tout cas l'individu de la communauté, vous allez au tribunal, il faut prendre un avocat, il faut des allers-venus, c'est un processus très très long, ce qui fait que nos populations préfèrent aller vers le marabout, le frey, la notabilité, etc., pour régler. Et beaucoup de choses se règlent à ce niveau-là. Et à peu de frais. Maintenant, avec l'idée que la condamnation n'est pas aussi tranchée que quand il y a une décision de justice. La décision de justice, souvent d'ailleurs, elle est très dure, c'est la prison, c'est les moyens financiers, etc. Tout cela aussi, c'est des éléments. Et il est noté d'ailleurs que nos populations, peut-être les 80% font confiance à la médiation traditionnelle. Car l'utilisation des cours de tribunaux. D'ailleurs, même dans le ménage, si la femme amène le mari au tribunal, c'est très mal vu. Quelles que soient les motivations, quelle que soit la situation, on préfère régler d'une certaine manière, à l'amiable quelquefois, mais on étouffe beaucoup de problèmes par l'amiable. Mais les problèmes aussi souvent ne sont pas réglés. C'est-à-dire que autant, en tout cas le processus traditionnel est important à nos yeux, autant aussi, c'est un processus qui ne tranche pas souvent et qui permet tout simplement à ce que les gens puissent revoir un peu leur position, avoir peut-être d'autres manières de fonctionner. Donc la médiation, c'est vrai que les gens, la préparation d'une médiation, elle est longue. Elle doit reposer aussi sur des personnes de qualité. Mais ça, c'est à un certain niveau. Là, vous savez, quand on parle de prévention, les deux piliers de la prévention des conflits, les deux piliers, c'est avoir un mécanisme
qui vous donne des signes qu'un conflit est en train de se préparer. Mais l'autre prévention, c'est la réforme. Toutes les réformes ont une visée de prévention du conflit. Vous réformez parce que vous pensez que ce mécanisme-là, tel qu'il fonctionne, à terme, il y a des conflits. Et vous réformez. Nous avons une période aujourd'hui que le président n'est pas candidat. Cette période-là devait être utilisée pour faire toutes les réformes. Ma conviction, c'est que demain, si on choisit un chef d'État, on ne fera jamais les bonnes réformes. Il sera partie prenante, il va prendre les mêmes costumes que ceux-là qui l'ont précédé. Il ne fera pas les réformes attendues de quelqu'un de désintéressé. Mais c'est maintenant, malheureusement, nous ratons aussi le coche, c'est maintenant qu'il faut faire ces réformes. Ou vous avez quelqu'un qui va dire, bon, pour ça, voilà comment nous devons faire, parce qu'il n'est pas dans le système. Mais si vous avez quelqu'un dans le système qui fait des réformes, il fera ces réformes-là en pensant à sa propre sécurité. Et c'est tout à fait naturel. Bon. Alors, merci, Doyen. Bonjour tout le monde. Je voudrais peut-être prononcer quelques mots sur le dialogue. En disant que pour moi, je trouve que le dialogue, c'est avant tout un état d'esprit. Disposition d'esprit. Ce n'est que comme ça, à mon avis, qu'on peut être capable de faire des concessions. Parce que l'idée de concession, elle est importante. Dans un dialogue, quand on n'est pas capable de faire des concessions, pour aboutir à... La deuxième chose, vous l'avez souligné, c'est le moment. Je pense qu'il faut choisir un moment. Parce que le contexte du dialogue, c'est très important. Si vous dialoguez, si vous appelez les gens à un dialogue, alors que les nerfs sont tendus, alors qu'il y a tout de suite une situation catastrophique qui touche peut-être une partie de manière intense, je pense qu'aller tout de suite dans un dialogue, c'est quasiment perdu. Je pense que le temps du dialogue, le moment du dialogue aussi, ça, c'est important. Voilà, merci. Merci. Un point extrêmement important avant de vous donner la parole, c'est le moment du dialogue. Et là, j'aimerais rappeler ce qu'on a appelé la guerre des pauvres. La guerre des pauvres, c'est-à-dire entre le Mali et la Haute-Volta, devenue aujourd'hui Burkina Faso. Ce qui a rendu d'ailleurs Thomas Sankara très célèbre. Si vous regardez au niveau des victimes, vous allez rigoler. Ils ont envoyé des bombes, ça a tué deux personnes. Bon, dans une guerre, deux personnes, c'est peu. Mais, c'était des gens qui n'avaient pas les moyens de se battre. C'est pour ça qu'on a appelé ça la guerre des pauvres. Quelqu'un est dans l'avion, ça va difficilement vous jeter, ça ne peut même pas faire un petit tour au niveau du tir. Donc, ils n'avaient pas les moyens de se battre. Et quand on leur a dit, non, arrêtez, ne vous battez pas, Kouyaté Sourikandia a chanté, etc. Ils ne sont pas fait plier, ils ont déposé les armes. Rapidement, le problème a été réglé parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas les moyens. Aucun. Et il s'est battu pour quatre villages. Celui-là dit que ces villages-là appartiennent au Mali, l'autre dit non, non, ça appartient à la Haute-Volta. Et finalement, le problème a été réglé. Mais quand vous avez des... il y a des situations où trouver une solution est difficile. Je vois même, vous prenez la Casamance. La Casamance. On a essayé plusieurs solutions, dont la parenté à plaisanterie, elle a fonctionné, mais elle n'a pas réglé le conflit.
Jusqu'à présent, vous envoyez un CRR là-bas comme gouverneur, il est sain et sauf. Il n'y a pas de problème. Mais ils n'ont pas réussi. La parenté à plaisanterie n'a pas réglé le conflit. Donc il y a quelquefois des solutions que vous utilisez, mais qui n'apportent pas les réponses. Mais qui peuvent aussi atténuer. Ça atténue. Donc, quand il faut trouver la solution, il faut réinventer aussi les solutions, aller vers, en tout cas, d'autres types. Moi, c'est juste pour corroborer ce que l'autre venait de dire tout à l'heure, l'importance de la langue aussi dans le dialogue. Parce que je me rappelle une fois, on était dans une zone, dans le Sintang Pundara, avec un colonel des eaux et forêts, c'était juste pour la mise en place des groupes de contact villageois dans le cadre de la gouvernance forestière. On était en plein débat quand un officier aussi des eaux et forêts a utilisé un terme djambéré. Djambéré. Ouais, djambéré en poulard, cela veut dire hache. Mais en pouloufouta, ça a une autre signification. En Pelofoto, ça a une autre signification. Nous étions dans un village Pelofoto, dans le Sintang Pundara. Vous savez qu'il y a une forte colonie de Pelofoto. Mais quand il a utilisé le terme Djambéré, nous avons vu quand même la salle se vider. Les responsables, les chefs religieux sont sortis, les chefs de village et d'autres personnes. Finalement, on s'est retrouvés avec deux. On ne comprenait pas. Nous sommes sortis. La salle, on a vu vraiment toutes ces personnes rejoindre leur concession. On était obligé de retourner, aller voir le chef de village. Il n'avait pas voulu parler. Il n'avait même pas voulu recevoir. Parce qu'il dit que c'est incorrect. C'est pas correct de venir dans un village et insulter. Là, c'est après avoir discuté avec lui qu'il nous a expliqué la quintessence du mot djambéré. Là, je pense que comme vous venez de le dire, la langue est très importante. Elle est très importante, même dans d'autres contextes. Vous savez, entre la France et l'Angleterre, un mot a créé une guerre. C'est le mot demander. Ils ont pris des otages et on a écrit « Je demande la libération des otages ». C'est allé à un mauvais traducteur anglais qui a dit « I demand freeing the hostages ». Alors, « demand » en anglais, c'est « exiger ». Alors, quand les gens ont dit « I demand », etc., ils ont dit « non, non, ça ne se fera pas » et la guerre a commencé. Donc, c'est extrêmement important. Le sens des mots. Donc, professeur, merci beaucoup. Donc, moi, je vais intervenir par rapport au dialogue en général, le dialogue extérieur en général. J'ai vécu un moment en 2000, l'année dernière, donc au moment où il y avait les contraintes de la CEDEAO avec le Mali. Pourtant, le Sénégal était vraiment la tête pensante pour les sanctions. Mais bizarrement, l'ambassade était fermée, mais chaque fois, nous, on avait créé un comité de conciliation. Mais les officiers sénégalais nous refusaient partout. Et même l'ambassade, au moment où il y avait deux policiers, comment dirais-je, qui étaient montés devant l'ambassade, mais chaque fois, on ne laissait pas jouer. Pourquoi on laisse le Sénégal essentiellement à demander des sanctions? Mais pourquoi elle lui permet de faire des choses? Donc, vraiment. Donc, et aussi, le dialogue. En général, c'est différent du débat. Le débat est public, vous comprenez. Mais le dialogue, en général, il devient public quand il y a un résultat positif. Là, le dialogue vraiment est dans la rue. Mais le débat, quand même, vraiment, c'est une question de qui. Maintenant, si vous avez parlé de tension, je crois aussi la tension demande un moment. Le Sénégal vraiment est en train de transition, mais le temps est trop court. Donc, si on avait dit un an, à part de toutes les 2023, il y avait une présentation, si on savait que le président n'allait pas se présenter,
Là, il y a un dialogue pour permettre au tout le monde de faire l'attraction possible. Mais la paix a été courte entre parce que l'attraction, actuellement, c'est très court vraiment pour faire des réformes comme vous le souhaitez. Merci. Merci, professeur. En suivant votre exposé, nous rendons compte que vous avez agité beaucoup de notions et qui nous interpellent, à mon avis, à deux niveaux, pour bien comprendre et un peu contextualiser notre débat. C'est-à-dire, c'est des notions que vous avez agitées et qui ont un sens quand nous sommes sur le plan international, en droit international, et qui ont d'autres sens quand nous sommes en droit interne. Et d'ailleurs, pour un peu aussi faire une confirmation de ce que vous dites sur la langue et surtout la culture, c'est ce qui ont fait les missions extérieures, particulièrement en Haïti, et une sensibilité extraordinaire. Quand vous allez au niveau du training, ils sont obligés de vous faire un briefing sur la culture et la langue. Sinon, vous pouvez même avoir des conflits extraordinaires. Je donne un petit exemple. Là-bas, le coco fait partie des fruits les plus prisés. Et nous, Africains de l'Ouest, quand nous voyons ces cocos, on va tous la ruer vers. Et le coco, si vous demandez, vendez-moi le coco, vous risquez d'avoir une hache sur vous derrière. Oui. C'est pour cela qu'on le met en exergue. Le coco, son sens en Haïti, n'est pas la même chose. C'est vendez-moi le coco, et c'est les femmes qui vendent. Vous le dites à une femme, son mari est à côté, c'est la hache qui va tomber sur vous. Et puis, il ne négocie pas avec. Donc, la langue, la religion, la culture, etc., est très importante sur les missions de négociation, de médiation, etc. Mais là, j'enseigne pour dire que, comme vous l'avez dit, professeur, vous avez parlé des dialogues, médiation et tout, des outils de résolution de conflits. Et qui doivent avoir, à mon avis, une circonscription et surtout sur les objectifs en ce qui concerne la situation gérée. Je donne là-bas un exemple, je cite un de nos grands professeurs, Elijah Wood, qui expliquait souvent ce que c'est que le consensus. Où on cherche un consensus, où on cherche une vérité d'une partie sur l'autre. Et je pense que souvent, c'est toujours le consensus qui est beaucoup plus facile à trouver. Et il faisait cette définition du consensus, un accord sur les désaccords. C'est comme ça qu'il définissait l'accord, un accord sur les désaccords. Ce qui est difficile au niveau des politiques, surtout quand il y a conflit. Et aussi, professeur, vous avez parlé d'une chose très importante, les réformes. Les réformes, malheureusement, comme vous l'avez dit aussi, on ne les fait pas à temps ou bien on ne les fait pas tout court parce que y a un objectif. Je prends un exemple type pour interpeller la société civile parce que les politiques, moi, à mon avis, ils ne l'ont pas réglé, ils n'ont pas cherché à le régler. Le code pénal et le code de procédure pénale ont deux articles qui sont à l'origine de beaucoup de conflits, beaucoup de difficultés et qu'on agite en tout le temps. Et on rappelle le président Wade, son cheval de bataille était toujours la réforme de l'article 80 et de son pendant sur le code de procédure pénale, dans le code de procédure pénale, l'article 139.
soit au cri sur les juges, alors que légalement, ce qu'ils sont en train de faire est justifié. Par exemple, l'article 80, on dit toutes les infractions prévues dans l'article 56 à 80. Si vous arrêtez une personne, que vous déférez devant le procureur, si il ouvre l'information, le juge d'instruction est lié quand le juge, quand le procureur demande un mandat de dépôt. Obligatoirement. Donc, la confusion tout de suite, légalement, du pouvoir de poursuite et du pouvoir du juge du siège. Donc, l'article 50 à 80, c'est souvent tous les articles qui parlent d'ordre public, etc. C'est presque 50 articles. Et quand vous constatez une infraction dans ces catégories, le juge d'instruction n'a plus le pouvoir libre de libérer si le procureur évoque l'article 139 pour demander le mandat de dépôt. Le président Ouad, depuis, c'était son cheval de bataille parce qu'il a été toujours arrêté dans ces actes. Quand il est venu au pouvoir, moi, on était à l'époque des jeunes étudiants, je suivais, je croyais que son premier combat c'était de réformer ces actes. On ne les a jamais réformés. Jusqu'à ce jour, c'est l'actualité. Et comme les politiques, peut-être, ne peuvent pas le faire, la société civile, je pense que ça doit faire partie de cheval de bataille pour la réforme du code de procédure pénale. Parce que vous disiez un grand juriste, dis-moi quel droit pénal tu as, je te dirai quelle démocratie tu as. Je vous remercie. Oui, mais ces réformes-là aussi, il faut faire ces réformes-là aussi avec les sachants. Il n'y a pas très longtemps, je crois que ça doit faire 4 ans ou 5 ans. Bon, j'étais dans des ateliers où on faisait on parlait de ces réformes-là. Mais nous, on n'est pas des juristes. Moi, j'ai regardé, je n'avais aucun commentaire à faire. Bon, il y avait certainement des gens qui pouvaient apporter. Mais le caractère inclusif pose souvent problème. Est-ce que, parce que aussi il faut avoir une certaine connaissance de la chose. Quelqu'un disait, si vous voulez garder votre argent dans un endroit secret, ouvrez un livre et mettez votre argent là-bas. L'Africain ne prendra jamais l'argent. Parce qu'il ne va jamais ouvrir le livre. C'est le coffre-fort, en tout cas pour les jeunes. Ne liront pas, ils ne lisent pas. Beaucoup de textes. Bon, maintenant, dans le débat, on peut sauter. Ce qu'on voit, c'est des gens qui n'ont jamais lu, qui deviennent maintenant des avocats au niveau des médias. Et là, M. Nyan Djobutaki. Voilà, merci, professeur. Vous avez fait un exposé très, très, très bien. Par contre, moi je prends le cas du Sénégal où on parle souvent de dialogue, mais dialogue politique, qui aurait dû respecter la logique que vous venez de nous démontrer, mais ce n'est pas toujours le cas. Moi j'ai assisté à pratiquement tous ces dialogues qui se sont déroulés. Au départ, dans les termes de référence, on dit que toute décision doit être consensuelle. Mais c'est difficile, à partir du moment où on ne veut pas que ces décisions soient appliquées, on s'oppose. Donc pas de résultat. Donc, dans tous ces dialogues, si vous remarquez, il y a très peu de solutions par rapport aux grands problèmes qui se posent dans le pays. On est toujours confronté à cela. Je prends simplement l'exemple du dialogue précédent. Nous sommes arrivés également à beaucoup de décisions. Mais l'État n'a pris que ce qui l'intéressait. Le consensus sur le recul des élections locales et le mode d'élection des maires. Tout le reste n'a pas été appliqué. Or, dialoguer avec quelqu'un qui a le pouvoir et qui décide et qui met en œuvre, c'est difficile. S'ils ne sont pas de bonne foi, vous n'arrivez pas à grand-chose.
Donc tous ces dialogues qui se sont déroulés, c'est de cette façon que ça s'est passé. On a souvent eu, je prends par exemple le dernier dialogue qui a été dirigé par feu le colonel général Nian. Il y avait toutes ces qualités que vous avez énumérées, patient, calme, posé, il écoute bien les gens, mais à partir du moment où les autres ne veulent pas, ça ne passe pas. Donc on a passé énormément de temps pour arriver à vraiment très peu de résultats. On est arrivé sur le financement des partis. On est arrivé énormément de choses, mais qu'on n'a pas fait. C'est pourquoi d'ailleurs, quand vous dites que un dialogue doit suivre plusieurs niveaux, la préparation, je crois que c'est dit, la mise en œuvre et le comité de suivi. Très bonne chose. Et on a eu un exemple de ce genre au Sénégal. Alors, à l'audit de 2001, il y avait une mission préparatoire. Il y a eu un dialogue. On est arrivé à des recommandations. Et il y avait un comité de suivi qui a été créé, dont j'étais membre, qui suivait la mise en œuvre de ces applications. C'était très bien. Mais depuis lors, tous les autres dialogues ne se sont pas déroulés de la même façon. Donc là, je pense qu'il y a à avoir entre le cas particulier d'un dialogue politique où l'État qui est là, qui vient dialoguer, est fort, il fait passer ce qu'il veut. Or, il y a énormément de problèmes pour nous traiter. L'histoire du bulletin unique, les histoires. On a parlé de tout cela. Mais comme l'État ne veut pas appliquer, la mise en œuvre ferait. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, quand l'État est très fort et qu'il n'a pas la volonté d'aller vers des changements, le dialogue aboutit toujours à des résultats vraiment. Bon, par contre, la question que je pose, c'est pour moi. Vous avez dit que dans le dialogue, il y a trois niveaux. Track 1, track 2, track 3. Est-ce que si des solutions sont trouvées au niveau track 1, le reste, on ne va plus, ou bien le track 1 alimente le débat qui continue jusqu'au track 3. Je ne sais pas si je peux comprendre. Si au niveau officiel, des solutions sont trouvées, je pense peut-être que le dialogue s'arrête là, ou il continue aux autres niveaux. Je ne sais pas si vous m'en faites. Voilà, merci. Mais je crois que ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est-à-dire que c'est quand on fait des missions, des membres, c'est-à-dire qu'on met dans la mission anciens ministres, anciens députés, etc. Ce sont ces gens-là qui prennent les places, avec l'idée que ce sont ces gens-là qui maîtrisent les problèmes, même locaux, ce sont ces gens-là. C'est-à-dire que c'est là où il y a un problème, parce que ce n'est pas parce que vous êtes... vous savez, je prends toujours le niveau régional. Vous avez quelqu'un qui n'a jamais été un bon président. Personne ne peut dire que tel est bon président, mais quand il faut venir donner la bonne parole chez un autre, on envoie ce président-là. C'est-à-dire qu'il faut que les gens réfléchissent sur les qualités plutôt que la posture, la position. Il y a des personnes qui ne sont pas à ce niveau-là, qui sont au niveau de tractou, qui ne peuvent pas être dans des délégations. Il y a eu un moment où on avait beaucoup de gens qui avaient fait des coups d'État, etc. Mais si vous les envoyez régler des problèmes de coups d'État, les gens regardent la délégation, ils disent « Ah non, non, ces gens-là, il n'y a rien à tirer. » Ils ne peuvent pas. C'est un peu la composition. Et le niveau 3, qui est le niveau des personnalités quelque peu ordinaires, communautaires, etc., il n'est pas privilégié quand on fait. C'est pour cela d'ailleurs que le mot médiation quelquefois disparaît au profit de la diplomatie préventive. Et diplomatie, bon, ça donne l'impression d'être à un niveau un peu plus élevé et de ce fait, les officiels en font un peu leur chasse-garde. Mais vous avez posé aussi un problème que j'ai trouvé intéressant. Et peut-être que ce qu'on n'a pas compris, c'est dans les négociations, quels sont les besoins, quels sont les intérêts. Avec l'idée que les intérêts transcendent les besoins. Je vais en négociation
Mais mon objectif, c'est de faire en sorte que mes intérêts ne soient pas violés. Mes intérêts ne sont pas mes besoins. Mes besoins, c'est ce qu'il me faut absolument pour être ce que je suis. Absolument. Mais, par souci de me protéger, je cherche plus. Je cherche mes intérêts. Maintenant, tout le jeu, c'est de me pousser à abandonner ces intérêts-là jusqu'à être au niveau de mes besoins. Ça, j'ai absolument besoin de ça pour être ce que je suis. Mais quand chacun cherche à gagner, chacun cherche aussi à avoir plus que ce dont on a besoin. Et c'est ça qui crée maintenant les déséquilibres. Merci beaucoup, professeur. Je voudrais, c'est en écoutant l'intervention du doyen sur les particularités du dialogue politique, donc dialogue d'acteurs politiques, que j'ai voulu faire cette contribution pour dire, parfois, peut-être dans les contextes, il devient aussi important de clarifier correctement à travers les TDE ou les objectifs qu'est-ce qu'on veut atteindre réellement. Si on a un milieu politique, dès que la fièvre est là, je vais essayer d'utiliser une technique à utiliser un des professeurs, professeur Dosoumon Samson, qui l'explique en disant, peut-être que j'aurais aussi besoin, pour le cas du Sénégal, d'une localité au sud, prenons Dakar, et une localité à l'endroit, en fait, vers le nord, donnez-moi un exemple, vers le nord, Saint-Louis. Et je veux chercher quelque chose au milieu des deux, entre Dakar et Saint-Louis, une localité au milieu. Kaola. Kébémé. Bon, je vais prendre Louga, c'est facile à prononcer pour moi, Louga. Donc, supposons qu'on est tous à Louga. Il dit, en milieu politique, il dit, aller en dialogue, pensant qu'on est en train d'aller en négociation, c'est comme prendre un bus de Louga pour Saint-Louis et être étonné de ne pas arriver à Dakar. C'est-à-dire, il dit, aller en dialogue et pensant qu'on va en négociation, donc en dialogue politique, pensant qu'on va en négociation, c'est comme prendre un bus de Louga vers Saint-Louis et s'étonner de ne pas arriver à Dakar. Parce que le bus de Louga vers Saint-Louis n'est pas censé vous amener à Dakar. Donc le dialogue n'est pas censé nécessairement vous amener à faire le partage des choses et rentrer chacun avec quelque chose. Mais en milieu politique, quand ils vont en dialogue, ils sont toujours dans cette optique de « on sort de là en raclant un certain nombre de choses ». Ce qui n'arrive pas toujours. Parce que le politique, il veut aussi comprendre dans quel sens il envoie la réforme peut-être. Et donc, il n'est pas déjà en train de dire, je ferai des avances pour ceci, je ferai des bénéfices pour tel groupe, ainsi de suite. Et donc, quand on est dans le domaine politique, on regarde aussi ces thèmes, mais on communique aussi sur quel contenu on donne à ces thèmes. On va dans le dialogue, est-ce qu'on ressort de là avec un peu de négociation? Donc, il faut que ça soit clair pour les uns et les autres. Sinon, après, ça aussi contribue à, disons, fait en sorte que les acteurs politiques ne veulent plus aller dialoguer. Ils disent, on y va, certains, on y va, on discute des choses, mais à la fin, on n'a rien. Comme si, dès qu'on va en dialogue, qu'on discute, on a dit qu'il faut ça, il faut ça, il faut ça, nécessairement, on doit sortir de là avec des gains. Dans le contexte de on a tellement souffert de ça qu'on a dû convoquer, c'était un grand séminaire avec les parlementaires, tout le monde. Et c'était ce professeur-là qui était arrivé pour nous aider à clarifier. Tous les 5 jours d'atelier ont tourné autour de cette présentation schématique pour ouvrir l'esprit aux gens, pour dire le dialogue, on peut aller dedans et en ressortir sans vraiment avoir rien pour ça. Mais au moins, on a changé dans la tête de l'autre quelque chose, dans sa conception de ce qui nous arrive. Alors que la négociation, on va pour dire
je reviens de là avec quelque chose que je peux utiliser pour moi-même. Et que les deux ne signifient pas la même chose. Mais on peut mettre ensemble les deux si on veut le faire ainsi. Donc il faut communiquer suffisamment sur ça. Merci. Non, vous avez raison. Les gens négocient. Le dernier dialogue, on savait exactement on allait déboucher sur quoi. Tout le monde le savait. Et c'est pour cela que certains l'avaient appelé le deal, etc. Bon, c'est qu'on n'a pas encore, dialogué. Et peut-être qu'il va falloir dialoguer. Oui. Merci pour dire juste que moi je suis chef de quartier. Et quand vous parlez de médiation, je vois un rapport entre trois personnes, dont l'une est au milieu des deux autres. Donc il entretient une relation avec, par exemple, le voisin et avec l'autre voisin qui sont en conflit. Et donc lui, c'est lui qui dialogue avec l'un et avec l'autre pour établir un lien entre les deux. Dit également que la notion de dialogue renvoie à l'idée d'un rapport vice-versa, aller-retour, et implique forcément un enrichissement mutuel. Et cet enrichissement mutuel va porter évidemment à un gain quelque part, même si ce n'est pas un gain matériel du point de vue, comme c'est le cas dans la revendication. Ajoutez que dans la revendication, dans les techniques de revendication, ce qu'on va vous enseigner à retenir, c'est justement ce que vous avez appris tout à l'heure, ce gain mutuel. Vous avez parlé de mutuellement bénéfique. Et on vous dira, il faut trouver un résultat gagnant-gagnant. Donc chacun gagne. Pour qu'on le puisse, puisqu'on puisse aboutir à quelque chose dans une négociation, il faut que chacun gagne. Et c'est en pesant ce que l'autre peut gagner et que chacun perd qu'on peut arriver à trouver un bon accord. Maintenant, dans le dialogue politique, en fait, parfois, ce qui est recherché, c'est l'apaisement. Parce que dès qu'on va faire un dialogue politique, on crée les conditions d'un apaisement de la tension. Et c'est un gain qui n'est pas palpable, mais politiquement, celui qui vous amène à un dialogue qui... au terme du dialogue, il ne vous donne rien en termes de gain, il vous a amené à l'apaisement. C'est ça qu'il voulait. Et donc, quelque part, c'est de la ruse politique, mais il faudrait peut-être voir ce rapport-là, je crois que c'est assez bien compris, entre le dialogue et la revendication. Ok, merci beaucoup. Donc, professeur. Je ne serai pas trop loin, parce que moi je voudrais seulement dire que le Sénégal, je crois qu'on fait partie aujourd'hui, le Sénégal fait partie des pays qui sont cités peut-être en exemple sur le plan un peu dialogue interreligieux. Parce que souvent, nous voyons sur le plan un peu religieux que le Sénégal est cité en exemple quand on parle de dialogue religieux. Maintenant, pourquoi ne pas peut-être voir s'il y a une possibilité quand même de décentraliser ou de transformer ce dialogue religieux en dialogue politique. Parce que le plus souvent, il réussit quand même le dialogue sur le plan religieux. Maintenant, l'autre chose, c'est le dialogue. Je crois qu'il faut aussi tenir compte, c'est vrai qu'ils ont parlé de langue, mais de la tradition, de la culture aussi. Donc, quand on doit dialoguer dans une ville ou dans un pays ou dans une région, je crois qu'il faut aussi impliquer et tenir compte aussi des cultures ou des traditions de cette localité-là. Mais enfin, je termine pour poser peut-être une petite question pour dire que sur le plan dialogue, est-ce que l'âge compte? L'âge compte. Parce que quand on est jeune et on veut dialoguer avec des gens beaucoup plus responsables, beaucoup plus âgés, est-ce que l'âge compte aussi dans le dialogue? Merci. Bon, le dernier point que vous avez posé, c'est aussi un point important dans la démocratie. La démocratie aussi pose problème dans certaines situations. Ne considère pas l'âge. Les opinions, on peut les exprimer, quel que soit l'âge. Et
c'est aussi un problème. Parce que quand vous avez un jeune et quelqu'un de moins jeune, etc., il y a déjà, culturellement, c'est une relation marquée. Et s'il y a des écarts de langage, ça peut aussi créer quelques problèmes. Vous avez raison. Il faut faire quand même très attention. C'est pour cela que l'élément culturel est très important. Il faut prendre en compte l'élément culturel. Et dans les délégations, faire savoir aussi qui doit être dans les délégations. Vous avez parlé de dialogue religieux, interreligieux, etc. J'ai vu une étude un peu sur le dialogue religieux au Sénégal. Quelqu'un peut-être qui ne partage pas votre point de vue et qui pense que les musulmans du Sénégal, que nous sommes tous, je crois qu'il parlait de cette capacité à accepter l'autre. Alors, sur une échelle de 20, que les musulmans sont radicalisés. Ils sont déjà à 12, à 13, à 14. Et pour peu, ils peuvent arriver à 20. Et il observe dans les familles, quand il y a une émission catholique, on est à la télé. C'est des signes qu'on n'accepte pas. Vous avez votre téléphone qui sonne, il y a un chant chrétien, vous n'écoutez pas. Et il pense qu'il y a des éléments de radicalisation dans nos sociétés. Et souvent, c'est-à-dire, on a parlé des animaux, la politique de l'autruche, c'est aussi une façon de voir les choses. On pense qu'on dialogue, au fond, on ne dialogue pas. Nous avons tous toujours des éléments qui confortent un peu nos points de vue, on est tout à fait heureux que c'est comme ça. Mais il y a certainement des choses à dire à ce niveau-là. Merci. Non, en fait, votre dernier point m'a fait un peu sourire, mais je pense que c'est une étude de Timbuktu Institute, n'est-ce pas? Je crois que c'est ça. Si c'est ça, c'est... Parce que je pense qu'il travaille sur les radicalisations. J'en profite pour saluer mon grand frère Imam Kanté qui est en train de sourire. Et bon, en fait, pour moi, le dialogue-là, si c'est entre religieux, c'est beaucoup plus du vivre ensemble. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose de dialogue où on est là, on est en train de dialoguer. C'est, les gens ont grandi ensemble. Déjà, il y a une cohabitation entre les ennemis qui a beaucoup facilité cela, ce qui fait que le brassage est là. Donc, c'est plus du vivre ensemble. Mais concrètement, il n'y a pas un cadre où les gens sont là en train de dialoguer. On est ensemble tous les jours, c'est quelque chose de spontané. Bon, la question que je voulais poser, c'est la question de la notion de régulation. Parce qu'on a parlé de médiation, mais à mon avis, dans la médiation, le médiateur est un peu au service des parties. Mais dans les mécanismes de régulation, le régulateur, il rappelle les règles. C'est-à-dire que, voilà, on rappelle des règles, des principes, et que les gens se conforment. Maintenant, malheureusement, il peut arriver des situations de chaos où il n'y a plus de règles. Il faut vraiment, voilà, les choses sont arrivées à un point où il faut tout reconstruire, et là, peut-être, il faut du dialogue. C'est une question de niveau. Bon, après, je reviendrai sur les questions de dialogue politique, là. Il y a beaucoup à dire sur ça. Merci. Vous avez raison, mais je pense qu'on avait parlé de contraintes, dialogue avec effet de contrainte et aussi là où il n'y avait pas de contrainte. Et quand vous parlez de régulation, c'est à la limite, c'est très soft. Ce n'est pas contraignant, mais on amène les gens à comprendre les règles. Et ces règles-là permettent en tout cas le vivre ensemble dont vous parlez là. Je crois que ça nous... Bon, mais il y a quand même...
des règles qui sont des règles précises qui nous permettent en tout cas de vivre ensemble. Je crois que, mais je crois que vous avez raison. Les éléments de régulation sont tout, souvent des éléments très soft, pas très de contrainte, mais c'est aussi de la contrainte parce que la communauté aussi veut que ce soit comme ça. Hein? Il y a quand même, mais c'est pas du tout comme ce qu'on aurait appelé tribunal qui dit c'est comme ça, c'est assez enrobé. On vous amène à épouser en tout cas le fonctionnement normal de. Mais ça devient aussi la contrainte morale, elle est aussi très importante. Hein? Elle est aussi très importante. On a parlé de consensus et l'attitude a souvent de recourir au consensus. Vous savez, quand on a changé l'OUA en l'Union africaine, l'idée c'était d'enlever le verrou du consensus. Le verrou du consensus. C'est que on puisse maintenant, à la majorité, condamner. Mais nos milieux diplomatiques n'acceptent pas. Et le consensus, c'est toujours un consensus négocié. Et je vous dis, et les gens ne lisent pas les textes ou n'acceptent même pas les textes. J'ai été témoin d'une scène, c'était à Abuja, le sommet des chefs d'État. Je crois qu'il était question de quoi encore. Il y avait quelque chose qui se passait et les chefs d'État devaient se prononcer. Et ce jour-là, je plaignais un peu le responsable du département de la lettre précoce. Beaucoup de littérature, les gens avaient beaucoup écrit sur cette affaire-là. Et les chefs d'État étaient là, ils attendaient. Et le monsieur est venu avec une file de documents. Il est arrivé à la porte, le gars l'a bloqué. Dis donc, je viens, c'est pour les chefs d'État, pour bienvenue. Vous êtes fous, non? Vous pensez que les chefs d'État, ils lisent vos piles de là, ils ne liront pas. Et c'est comme ça qu'il est reparti. Les fonctionnaires ont travaillé, ont produit des papiers d'archives. Et ils discutent, et puis ils arrivent à une décision. Et c'est ça qui. Alors que les gens ont lu. Ils font plus confiance à leur portable. Et c'est ça qui fait d'ailleurs que les réponses. On a souvent critiqué cela. Le président de la commission, quelque chose se passe. Les gens ont travaillé. Wanep a produit des tonnes de documents sur cette affaire-là. Ça arrive à la salle de situation. Les analystes ont analysé. Mais lui, exactement ce qui aurait pu se passer, les pensants, tout cela, c'est des choses orientées. C'est tout cela, d'ailleurs, qu'on ne dépasse jamais. C'est les mêmes problèmes qui reviennent, parce qu'on n'a jamais le temps. Une fois qu'on a apaisé la tension, on ne revient plus sur ce qui a été à l'origine de la tension. Et c'est cela. C'est l'après-règlement, apaisement, c'est là aussi où il faut régler les choses. On va à la prochaine. Merci.